Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai des informations à vous transmettre en canalisation. Prenez uniquement ce qui résonne, gardez en tête que de 1, j'ai pas de vérité, de 2, c'est du général, donc si ça ne vous parle pas simplement, ne prenez pas. Je vais essayer d'aller droit au but durant cette canalisation, mais sachez que c'est pas la plus belle, en tout cas j'imagine, que je vais recevoir. C'est-à-dire qu'il y a un creux de vague, ok? C'est vraiment ce que je ressens, puis il n'est pas des moindres, et puis c'est même un creux de vague dans du flasque, dans un sable mouvant, et plus vous vous débattez, plus vous vous enfoncez, donc il faut garder son calme, s'apaiser, gesticuler de manière méthodique, enfin vraiment, je canalise déjà beaucoup de choses. Je me mets en reliance, les amis, et on y va, c'est parti! Ah, oui, alors peut-être qu'il y aura une pleine lune. Peut-être qu'on... Oui, il doit y avoir une pleine lune, c'est ça. C'est peut-être des énergies de la pleine lune qui sont en train de commencer à faire leur effet. Présentement, vous pouvez vous sentir un peu fade, un peu vous ennuyer ou avoir l'impression que le temps, il est un peu en suspens, que tout est lent. L'énergie est désagréable, c'est vraiment un marécage énergétique, comment vous dire? Ce qu'on me montre, c'est vraiment un marécage. C'est quelque chose qui empêche un peu d'avancer concrètement dans la matière, dans votre vie physique. Donc, c'est quelque chose, il y a une retenue en fait sur. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, 2 semaines, je n'en sais rien vraiment, mais c'est un peu marécageux comme ça et faut faire attention à pas trop s'enliser et puis ouais, énergétiquement vous pouvez vous sentir apathique, un peu plombé, plombant même, plomber les autres c'est possible un petit peu, que vous ayez un manque d'engouement, un manque de motivation, un manque d'entrain, vous faites les choses parce qu'il faut les faire et puis bon, ben on verra. Et puis il n'y a pas trop de... là là! C'est vraiment... J'ai pas de mots, j'ai juste l'attitude qui va avec, c'est... Voilà. Hein, c'est comme, purée, t'as un truc sur le ventre, quoi. Enfin, sur l'estomac, c'est-à-dire que t'as mangé, 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 mangé. Et ensuite, mais tu te la revasses sur le canapé parce que t'arrives même plus à bouger un petit doigt, quoi. Vous voyez, l'énergie, c'est ça. Comment vous dire? Oh là 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 là. Ah, c'est vraiment désagréable. Bon, je sais pas combien de temps, hein. Je prends les cartes, c'est intuitif. Ouais, ok. J'ai l'eau, l'océan, le chakra de la gorge. Je vois vraiment comme un bouchon, en fait. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Un bouchon de voiture, des voitures qui bouchonnent. Peut-être c'est physique, hein, je ne sais pas. Mais je crois pas. Je crois que vraiment c'est énergétique. C'est dans le sens de ça va bouchonner, ça va. C'est comme si on attend le vous savez, ou bien qu'on attend que l'eau, elle, dans la baignoire, que quelqu'un retire, en fait, que l'énergie se calme et que quelqu'un retire le bouchon pour enfin. Voilà, quitter ça, quitter cette zone d'inconfort, quitter ce malaise. Ouais, c'est un malaise, vraiment c'est un malaise, c'est désagréable. Peut-être vous cherchez, vous trouvez même pas les mots pour décrire ça. Et ceux qui sont pas là-dedans, tant mieux, hein, les amis, vraiment. C'est vraiment pas agréable à canaliser. Et j'ai aussi assez mal à la tête. Je pense qu'il y a pas mal de problèmes, il y a quelque chose avec la pression atmosphérique, c'est ce qu'on me montre. Quelque chose avec la pression atmosphérique, c'est ce qu'on me montre. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Ok, bon. J'ai l'enseignement, chakra du cœur. Ouais, vous avez vraiment envie de vous mettre en route, mais bon, ben, c'est comme si vous dites, bon, ben voilà, faux départ, ou c'est pas encore le bon moment, ou, vous voyez. Ok, cher. Il y a vraiment quelque chose. Il y a un... Vous savez, c'est un peu cet entre-deux-mondes, entre le monde de
un monde plus riche d'amour, de bienveillance et d'équilibre, et un monde plus avare de le monde d'avant, en fait, le monde de maintenant, et ça tiraille. Et en fait, c'est très dérangeant parce que tout à coup, vous avez l'impression que vous faites une avancée fulgurante, mais même sur le plan planétaire, hein, dans les énergies globales et tout, c'est vraiment ce que je ressens énergétiquement. Je ne sais pas si j'arriverai à vous l'exprimer, mais ça va vite, ça va vite, ça va vite. On sent un entrain, il y a un apaisement, tout est clair, tout est juste, tout est ok, et puis on s'élance, et puis on ressent, puis c'est aligné, et puis voilà. Puis tout à coup, ça fait... ça vous retient comme une élastique qui essaie de vous ramener entre ici, le plexus solaire, et la gorge, comme s'il y a deux élastiques qui vous ramènent, et puis qu'on essaie de vous rapatrier, de vous dire non, non, reste dans l'ancien système, reste dans l'ancien système. Ah, c'est fort, mais c'est énergétique, hein, là, clairement, mais c'est énergétique. Hein. Là, je tac, 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 on me montre des coups de. D'éclairs, des coups de tonnerre. Alors, il risque d'y avoir des grosses tempêtes, probablement, mais sinon, c'est symbolique aussi. Ou à partir de cette. Je sais pas, il doit y avoir une pleine lune prochainement, j'imagine, parce qu'on montre la pleine lune. Il va y avoir vraiment des mises en lumière, des foudres en fait. Des foudres, des. Toi, tu peux pas rester là, toi, tu dois bouger, toi, tu dois aller là, toi, t'as pas voulu voir ce que tu as fait de mal à toi-même et aux autres, donc vas-y, on t'en remet une couche. Oh là là, ça va être rigolo. On me montre un petit bateau, mais avec des éclairs partout, 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 partout. Je crois qu'il faut se préparer un peu pour le mois de mars, mais n'ayez crainte, hein, c'est pas quelque chose de... Je sais pas ce que ça va représenter, peut-être plus douloureux pour certains, certaines, moins pour d'autres, hein, mais bon. Ouais, on voit vraiment, je viens de vous parler de cette petite... Voilà, vous auriez envie que ça se passe comme ça. Il y a vraiment quelque chose avec la pression atmosphérique. Il y a quelque chose... Ah, mais c'est peut-être en lien justement avec des tempêtes solaires aussi qui sont en cours, qui sont à venir. Mais il y a quelque chose qui bouscule grandement les forces magnétiques de la Terre, en fait. Et nos forces magnétiques aussi, on est très chahutés. Et on peut se comporter parfois de manière très extrémiste, en fait, d'un coup. Enfin, extrémiste, pas d'un point de vue religieux ou tout ça, hein, pas du tout. C'est-à-dire que vous pouvez tout à coup paraître très différent de ce que vous êtes d'habitude, en fait. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas aller vers le changement en embarquant tout l'ancien. Vous comprenez, c'est ça qui se passe. Hein. Oui, bon. On a le cœur, le souffle, la vie ici. Moi, je vous dis, on se prend des charges énergétiques très, 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 très fortes. Mais ben voilà, c'est à la lanterne hein, qu'on avance. Hein. Il ne fait pas grand jour et tout. Hein. Voilà, bon, c'est très, très clair. Hein. J'ai la pression, transformation, c'est ce que je ressens énergétiquement. Et l'envie de démarrer, tu sais, c'est comme quand tu fais un peu crisser les pneus, que tu te dis, bon, vas-y, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est là, j'ai fait le plein. Tu vois, j'ai ma carte, j'ai mes sandwichs, j'ai mes petits fruits avec moi. Enfin, voilà, il n'y a plus qu'à mettre la clé. Puis, en fait, tu dis, ben merde, je mets la clé, je tourne et ça fait tuc, 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 tu ne peux pas avancer. En fait, la voiture, elle ne prend pas. À la limite, ce compris, elle a pris très vite. Vous avez dit, ah, c'est trop bien. Puis, paf, vous finissez dans un embouteillage. C'est ça ce qui se passe sur l'échelle, surtout sur le plan occidental. Aussi plutôt en Afrique, c'est ce qu'on me montre sur le plan du continent africain. Mais il y a vraiment cette sensation très très forte vous savez, d'être sous tension, puis de purée, il faut que ça démarre parce que je deviens nerveuse quoi. J'arrête pas de voir le cube de Métatron. Ok, je sais pas. Bon, ok, on vous demande vraiment, essayez de calmer un petit peu l'intérieur, des énervements, on voit la pleine lune, à moins que je dis un truc avec cette pleine lune, à moins que je me trompe, mais j'arrête pas de voir ça. Peut-être vraiment essayez de... Comment vous dire? Essayez de faire une force, en fait, de ces énergies. Mmh, ouais, parce qu'en fait, c'est ça. En fait, on oscille en des périodes de purée, c'est glacial, c'est froid, c'est...
Limite, on est en mode camouflage. Limite, tu rentres à la maison. Je sais pas comment vous dire, mais il y a vraiment ce côté. Mais il se passe rien, en fait. C'est le calme plat. D'où ces moments, bah, je suis dans le bouchon. Puis après, c'est tac, démarrage en côte. Voilà. Mais il y a quelque chose qui se passe ici avec les points. J'entends les points cardinaux de la Terre. Donc, je ne sais pas ce que ça représente. Je vous laisserai aller regarder si ça vous parle. Mais j'entends quelque chose avec... Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Les points cardinaux de la Terre. La Terre exerce une très très grande force magnétique intra, j'allais dire intra-utérine, intra-terrienne. Il se passe quelque chose dans le noyau là. Il y a quelque chose dans le noyau de la Terre. Et en même temps, il y a quelque chose dans le ciel. Donc ça, ouais. Ok, pour l'instant, vous savez pas, vous pouvez être perdu, vous pouvez vous dire, bon, vous avez besoin de clarté. Quoi qu'il en soit, essayez de ne pas prendre des décisions hâtives actuellement parce que vous avez besoin de clarté. Vraiment, c'est clair pour moi. Enfin, dans ce qu'on me donne. Ok. C'est trop. Je ne sais même pas si ça va être clair ce que je dis tellement c'est bizarre. Mais vraiment bizarre. Ok. Il y a quelque chose. Oh là là, j'aime pas ce. Non, ça, je peux pas. Non, ça, je ne dirais pas. Non, ça je dirais pas. Ok, quel questionnement? Ouais, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou dans les deux? Vous sentez que vous êtes. Pff, quoi, c'est bon, quoi, je suis sous pression, j'ai envie de passer à autre chose, j'en ai marre. Et ça peut être un ras-le-bol de cette société, puis ça peut être en fait, c'est tout comme si ça devient une apathie, ça veut dire que. Pff, mais finalement, vous vous levez, vous faites ce que vous avez à faire, et puis moi, bah voilà, quoi, et puis la vie, bah sans plus en fait. Sans plus, sans plus, et c'est un peu triste. Bon, après, c'est énergétique, donc il faut pouvoir accepter hein, ces moments-là d'inconfort. Non, mais c'est pas de l'inconfort, c'est un marécage, ok? Plus vous allez vous énerver, vous débattre, plus vous vous enfoncez. Restez calme, restez digne, ne prenez pas des décisions hâtives. Plus vous gesticulez, pire c'est. Prenez le temps intelligemment. Tu sais, quand on est dans un marécage, il faut juste bouger un peu le genou. Ok, parce qu'il faut replacer ensuite pas le pied mais le genou, à marcher comme un genou. Et puis ensuite, faut bien faire comme ça le mouvement de la jambe pour pouvoir en fait se sortir du marécage. Et si tu fais comme ça, bah, tu t'enfonces et puis ça sert à rien. Bon, en soi, on va pas s'enfoncer jusqu'au bout, nous, les êtres humains, dans un marécage. Mais bref, il y a cette idée-là de. Essayez vraiment, je peux pas vous dire, soyez en joie si ça vient pas, ça vient pas, si vous n'arrivez pas à y connecter. Mais j'entends la lambada. Nan, 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 nan. Ah non, c'est pas la lambada. Nan, 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 nan. Ah, c'est on the floor. Ah, rien à voir. C'est pas la lambada. Alors, ça doit être Jilo. On the floor. Bah, je pense que vous avez envie Je sais pas, est-ce que c'est dans sa chanson, elle parle de Maroc, du Maroc, Morocco. Ibiza, Maerfam, je sais pas, il y a quelque chose de. Vas-y, danse, 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 danse. Danse sur le dance floor, mais ne prends pas de décision hâtive. Ne t'excite pas sur l'extérieur. Essaie de mettre de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur. Va à la dérision s'il faut. Accroche-toi comme ça en fait. Ouh là 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 là. Il y a des vieux schémas de dépendance. On essaie de garder les êtres humains sous dépendance. Hein. Oh là là, je suis malade et je suis Dieu Tout-Puissant. Oui, voilà. En fait, l'être humain, je crois qu'il est en grande prise de conscience collective. Mais alors, très, très haut level. Ça veut dire qu'il y a énormément de monde, de personnes dans le monde qui est en train de dire Attends, cette société me rend fou, me rend malade. C'est pas possible. Je peux plus. Je peux plus. Moi, je suis pas Zeus, quoi. Enfin, il y a quelque chose avec Zeus, hein. Parce que je vois des éclairs de nouveau. Mais je suis pas, voilà. Et j'en ai marre de vivre comme ça, quoi. Ouh là, il y a quelque chose de très puissant. Et c'est pas une révolte comme ça extérieure ou c'est très intérieur. Et vous savez, ils essaient aussi de faire des tournées. Hein. Quand je dis ils, c'est ces énergies plutôt sombres, là, ces personnes qui veulent mettre la plupart de l'humanité dans la matrice, finalement, qui veulent continuer ce délire. Ils essaient par tous les moyens possibles de détourner tout ce qu'ils ont à cacher, entre grands guillemets, par rapport à ce qui s'est passé entre 2020 et les pic-pics hein, et tout ça. Hein. Ça va pas marcher, hein, les gars. Ils sont déjà.
Les peuples, ils vont pas juste rester. Ils espèrent que le peuple soit dans le déni, qu'ils disent oui, hein, on va chercher un sauveur, on va croire que tout s'effondre comme ils le disent, puis on va chercher un sauveur, puis on va leur donner tout le pouvoir, mais même pas en rêve. L'être humain est pas con en fait. À cette fois, il a compris, il sort du déni. Par contre, sur le plan intérieur, ça vient toucher à quelque chose assez fort aussi. Hein. Sur le plan personnel, il peut y avoir vraiment un ennui hein, ici. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, plan mondial. La peur du manque. Voilà, ils essaient. C'est ça. Ils essaient de vous dire vous allez manquer. Il va y avoir. Alors, je dis pas que vous allez pas manquer, mais on fait diversion. Ces énergies de font diversion pour que vous alliez chercher un sauveur, pour que vous soyez dépendant, pour vous donner la solution miracle à venir et pour pas que vous parliez de leur propre faute et de leur propre investissement de noirceur et de malveillance, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est de la malveillance. Ils ont fait des choses horribles, ces gens, horribles, monstrueuses, et ils essaient de se faire placer en sauveur. Mais alors ça, c'est à mourir de rire, hein. Mais c'est ces mêmes personnes qui ont humilié les peuples de la pire des manières, qui autorisent que les enfants, ce qui se passe avec les enfants dans le monde, ce qui se passe maintenant dans certains pays encore, jouer avec des... Non, non, non. Ouh là là. Ah mais plus haut, c'est plus possible. En fait, il n'y a plus rien qui passe. C'est juste une question de temps, là. Une question de temps. Voilà. L'exil. L'être humain ne veut plus quitter sa terre. Ça veut dire qu'il y a vraiment une lutte entre les puissants, moi je, mais les puissants pour moi c'est les petits moi, hein, c'est les plus petits, hein. Excusez-moi, c'est un peu méchant ce que je dis, mais pour moi c'est comme ça, c'est les plus petits. Le peuple est grand, ok, le peuple est grand. Et le peuple arrête de s'exiler, le peuple arrête, ne veut plus qu'on fasse du mal à la terre, et le peuple se lève. On est dans une bascule énergétique importante là. C'est ça que je comprends. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de... Il y a tout le monde qui est prêt, mais dans la matière, ils essaient de bloquer, maintenir, soumettre encore. Ils vont rajouter des couches. C'est ça, ces embouteillages que je ressentais. Ça devient très très clair. Mais l'être humain a plus de... Il a encore plus de détermination en fait, parce qu'il est dans l'amour. Ouais. Les addictions, attention mes amis, on va essayer de vous avoir partout, la peur du manque, vous faire peur, vous dire oh là là, vous rendez compte, il va y avoir beaucoup de déplacements de masse, attention, on va essayer de vous rendre addict à des mauvaises nouvelles en permanence, de vous rendre addict à des choses en fait, à des choses, à vous faire avoir peur de manquer, tout ça, pour après venir se placer en sauveur derrière quoi. Voilà, on va même encore vous faire culpabiliser, vous voyez. C'est incroyable, incroyable, ça ne marche plus en fait, ils n'ont toujours pas compris qu'ils sont rétamés en fait ces gens, mais bon bref, voilà, ayez foi, en ce moment lâchez prise, ayez foi, laissez passer un peu ces énergies là, soyez conscients, restez bien dans vos bottes, restez conscients, restez mes amis conscients de ce que vous êtes en train de vivre. Parce que dans ce cas là vous ne serez pas chopés par les marécages, le marécage c'est la matrice. Ah, je comprends. Voilà. Le marécage, c'est la matrice. Vous êtes en train de... C'est beau, hein. Ça m'émeut, j'ai presque larmes aux yeux, en fait, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui se concrétise gentiment. Ça fait un moment, je dis, ça va prendre du temps, etc. Mais ouais, je suis émue, parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise réellement sur Terre, là. Et ça commence, et c'est les prémices, et c'est hyper touchant. Et voilà, évidemment, c'est difficile, ce qu'on voit dans le monde, là, mais... Mais par contre, c'est on est en train de solder des mémoires de merde, là. Waouh. Ok, franchement, je... J'ai pas compris tout de suite la canalisation, et là, ok, tout devient très, très clair. Est-ce que... Attends. Ah, je sais pas où j'ai mis un... C'est pas grave. Je voulais retrouver mon truc des Celtes là, mais je sais pas du tout où je l'ai mis. Attendez, je mets juste pause. Voilà les amis, je sais pas du tout où je l'ai mis. Du coup, je vais prendre un autre chose. Regardez quel est le conseil, d'accord.
Ça va être, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent avec. Je vais vous en parler, je ferai une vidéo, je vais essayer de faire, ou bien un live cette semaine, je vais regarder. Pour vous parler un petit peu de ce qui se passe aussi dans l'Amazonie. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir l'onglet communauté, il faut être abonné à ma chaîne pour pouvoir aller voir l'onglet communauté, sinon vous ne pouvez pas le voir sauf erreur. J'ai partagé la bande-annonce d'un documentaire qui se passe en Suisse. C'est une personne que je connais qui m'a transmis tout ça. Aussi pour vous transmettre, pour pouvoir aider ces peuples. Allez voir dans l'onglet communauté, abonnez-vous à sa chaîne Nice of the Future. C'est vraiment important. Moi, je ne demande jamais qu'on s'abonne, mais là, je pense qu'on peut donner vraiment de la visibilité à certaines de ces personnes. Et Barbara fait un travail vraiment extraordinaire. Hein. Mais j'en parlerai, d'accord? J'ai envie de faire ça bien. Mais ces peuples, mais justement ces peuples-là, parce que moi j'ai des échos de ce qui est en train de se passer aussi avec ces peuples, hein, les peuples premiers. Mais il y a quelque chose vraiment de très 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 fort. Il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aime-toi toi-même. Voilà, vous pouvez vous concentrer là et toujours avec Dieu. Choisissez vraiment, choisissez la lumière. Je vous en supplie. Choisissez la lumière. On ne doit pas plaire à Dieu. Si vous devez plaire à quelqu'un, c'est que c'est une personne qui se prend pour je ne sais qui. Parce que vous n'avez pas à faire, à plaire aux autres. Vous devez être juste vous-même. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous d'une personne qui essaye de vous faire croire, oui, mais tu dois faire ça pour me plaire. Ou bien alors c'est dans la société, ou c'est un patron, ou quelque chose comme ça. Ok. Voilà, votre corps est tout en vibration. Alors de toute façon, tout est énergie, tout est vibration. Je ne comprends pas que les scientifiques ne l'aient pas encore prouvé, juste parce qu'ils n'ont pas encore des machines. Bref, ça c'est... Mais tout est vibration, tout est énergie, tout est onde. Et votre corps, il fait des ondulations merveilleuses actuellement et c'est très très fort, c'est très puissant. Voilà, réécrivez le passé. Changement bienveillant. Ok, il faut plus aller dans les marécages, il faut aller vers la bienveillance. Entraidez-vous, n'allez plus dans ce qui vous fait juste vous illusionner. On est créateur, c'est pas que tout est écrit. Vous créez votre vie, l'être humain crée son histoire. Maintenant, maintenant, il crée son histoire aujourd'hui, à cette seconde où vous m'entendez. Et à chacune, on vous demande d'utiliser les futures possibilités pour recréer un équilibre déjà dans votre vie, mais aussi ailleurs, c'est ce que j'entends. Et surtout, on est en train de changer par ligne temporelle. On saute, on oscille, c'est très fatigant. Mais alors, qu'est-ce que ça va être salvateur pour autant que vous suiviez l'énergie finalement d'amour? Ne faites qu'un avec toute chose, l'amour, l'amour du vivant, l'amour du un. Formulez vos affirmations. Et par rapport aux autres. Hein. Voilà, on vous dit que par rapport aux ombres, il faut avoir juste l'intention pure et créer la synchronicité. Ça veut dire qu'il faut être votre propre soutien et ne pas rechercher le soutien ailleurs. Vous faites partie de Dieu, de l'univers, de la source primordiale d'amour. Appelez-le comme vous voulez, appelez cette énergie comme vous voulez. Vous êtes au service de ce qui vous a créé, donc cette énergie-là, mais vous en êtes digne parce que vous en êtes fait. Donc celui qui veut vous faire croire qu'il est supérieur à vous, que parce qu'il a plus d'argent, ou parce qu'il a une autorité, ou parce que c'est un parent, ou parce que c'est un riche voilà, de la planète, là, eh bien c'est faux. Cette personne, elle n'a pas plus d'autorité sur vous, elle n'a pas plus, elle n'a pas mieux réussi, peut-être elle a moins bien réussi même. C'est bien possible qu'elle ait moins bien réussi parce que peut-être que si elle a un poste vraiment très élevé dans une société extrêmement corrompue, c'est que elle en a léché des trucs, ok? Hein, pour rester polie. Hein? Elles doivent être bien cirées les pompes des autres. Ok? Donc ne pensez pas que ces gens valent mieux que vous. Les amis, sur ce, prenez que si ça résonne, paix et amour sur vous. À bientôt. Ciao, ciao.